Si la série de vidéos Growth Hacking et Informatique vous plaît, si vous aimez mes outils, plus de 500 outils, je place chaque vidéo tuto avec les outils sur 5euros.com, mon profil, en lien dans la description, ici. Faites-vous plaisir. Ok, alors je voulais vous présenter PlaySeet, un outil assez intéressant qu'on trouve sur le web. À quoi il sert? Il peut servir à différentes choses. Il y en a qui le connaissent pour leur placement de logo, il y en a qui le connaissent pour leur vidéo accessible, pour les publications design, qui se trouvent facilement, d'autres pour les logos qu'on place sur les habits, d'autres pour des logos tout court à extraire, pour les revendre sur 5€, comme ça, etc. Vous voyez là, on a un exemple, je ne sais pas si ça va repasser, je ne connais pas le mouvement d'image à quelle vitesse il va, mais en fait c'est marqué votre logo ici, ici ou là. C'est ce qu'on appelle des mock-ups. Ça veut dire que pour par exemple du print on demand, si vous voulez aller faire imprimer des habits, mais avant de les imprimer, bah, vous voulez avoir une image de ce que ça donne, ou voir si ça peut plaire à vos clients, etc. Présenter un modèle, alors il y a ça. Là, c'est un peu style Canva, des sortes de publications, comme vous pouvez le voir ici. L'avantage, c'est qu'il y a des tas de modèles qui sont encore très peu utilisés, donc c'est pas aussi répandu que ce qu'on voit Canva ou comme ça. Vous voyez que les images, c'est des images qu'on voit un peu moins souvent. Là, par exemple, pour des logos. Et puis, bon, le prix, il est assez accessible. Enfin, moi, je trouve, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que sur Canva, ou alors disons que c'est un peu complémentaire. Mais disons, niveau vidéo, design et autres, c'est quand même assez intéressant. Et vous pouvez même placer votre logo. Par exemple, vous dites, je place mon logo sur... Ouais, on a vu le changement. Je place mon logo sur ce t-shirt, mais carrément sur une vidéo. Donc autant dans le logo, autant dans une scène où la personne elle bouge, elle va avoir une activité, vous pouvez placer votre logo. Pour faire des publications, c'est sympa. Pour prendre des... Là on voit que ce type de vidéo, mais il y a des vidéos de scènes et autres, scènes de la vie de tous les jours, des scènes dans des secteurs particuliers, etc. Donc je trouve pas mal. Et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai trouvé l'outil très très sympa. Il m'a été conseillé plusieurs fois par des personnes qui sont habituées au marketing. Donc je me suis dit pourquoi pas leur présenter. Si la série de vidéos Growth Hacking et Informatique vous plaît, si vous aimez mes outils, plus de 500 outils, je place chaque vidéo tuto avec les outils sur 5euros.com, mon profil, en lien dans la description, ici. Faites-vous plaisir.